Allez, tu es prêt? Et qui es-tu pour me dire ce que je peux et ne peux pas faire? L'enjeu dépasse de loin ton orgueil, Wasif. Le chemin est étroit. Assez! Prends garde à ce que tu diras lors de notre prochaine rencontre, gouverneur. Je ne souffrirai pas d'être insulté deux fois. Ce sont Wasif et le gouverneur de Bagdad, Mohamed ibn Abdallah ibn Tahir. Il a donné à Wasif un ordre, ce qui n'a pas plu à ce dernier. Le gouverneur de Bagdad n'est pas plus haut placé que Wasif. À moins, peut-être, qu'il ne fasse lui aussi partie de l'ordre. Mohamed? Je n'y crois pas. Il n'est pas seulement gouverneur, c'est aussi un poète, un lettré, un homme d'esprit. J'espérais m'en faire un allié. Eh bien, espérons que tu as raison. Il y a déjà affaire avec Wasif. Reste à trouver le moyen d'entrer dans la garnison. L'un des régisseurs sur place m'est loyal. Tu le trouveras près des cuisines. Lorsqu'il apercevra la ceinture rouge, il t'aidera. Et toi, que vas-tu faire? Retrouver Béchi et libérer les autres rebelles retenus dans la prison. Je te laisse, Wasif. Soldat, tu te drapes dans les couleurs du calife pour enlever et tuer à loisir. Tu es le fléau de tout le pays. Et ces terres sont rouges du sang de ceux que tu as massacrés. Simplement parce qu'ils voulaient la liberté, ou que tu craignais qu'ils la désirent. Tu te crois fermement à l'abri, entouré de tous tes soldats. Mais nous allons attaquer la garnison, libérer Béchi, et mettre fin à ton règne de terreur. Difficile d'escalader de tels murs. Je devrais plutôt dénicher un autre passage. Rien ne peut nous échapper, Enkidu. Les murs de la garnison sont plus troués que des haillons. Tu as vu tous les trous dans les murailles de la garnison? À quoi bon avoir des murs si l'on voit à travers? Quoi, tu veux parler des travaux? Il y a des gardes partout. De toute façon, personne ne peut entrer ou sortir sans se faire attraper. Il y a peut-être un passage le long de la muraille nord. Je devrais aller voir. Non! N'essaie même pas! Apportez le narbadj et la viande. Et oubliez vos couteaux. Vous aurez besoin de vos deux mains. Il y a beaucoup plus à apporter à la caserne. Hey, va voir ailleurs. المساعدة في التعامل معه. على الأقل بوسعنا الاعتماد على الأغالبة. إنهم يرسلون الذهب. Que dirais-tu d'un petit air? Comment tenir les rats éloignés des cuisines alors qu'il n'y a pas un, mais deux trous dans le mur? Quoi? Il se passe quelque chose? Il est temps de filer. Mmh, 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 mmh.
une seconde. Soldat. Avec moi. Je te protège. Ali a parlé d'un régisseur qui lui était loyal. Je devrais pouvoir le trouver du côté des cuisines. Je parie qu'il a laissé la clé dans cette salle en désordre. Qui dit clé, dit serrure. Je dois trouver une porte. Tu feras une erreur. Si j'étais un criminel, je ne me frotterais pas. Hey, par ici! Toi, tu es l'homme d'Ali ? J'ai vu ton étoffe rouge. Nous devons faire vite. Wasif est dans la garnison intérieure. Je peux te faire entrer par le côté, mais on ne doit pas nous voir ensemble. Suis-moi à bonne distance et reste hors de vue. Oui, j'ai compris. Dis-moi quand tu seras prêt. Bon, on peut y aller. Je vais marcher au vu de tous pour éviter les soupçons. Toi, suis-moi à distance et reste caché. Essaie de rester dans l'ombre, surtout. Je ne reviens toujours pas qu'Imad t'ait traité comme ça. Je sais, mais rarement Salir dit que les... Une clé. Probablement de la garnison intérieure. Nous y sommes. Cette porte mènera à Wasif. Bon, je dois repartir. Les quartiers de Wasif. Étonnamment sobres pour quelqu'un de son rang. C'est un hôtel très soigné. Ma foi, Wasif devait adorer sa mère. Sur l'horizon. Le Seigneur arrive et ne tolérera aucun manquement.
C'est mieux. Le poids est bon. Équilibre aussi. Mais la poignée est un peu serrée. Voyons maintenant ce que donne le tranchant. Celui qui prend les armes contre nous n'est pas des nôtres. Tu as choisi le mauvais camp, mon ami. Le jugement appartient à Allah, pas à toi. Cela accroche toujours un peu. Allez approfondir les rainures pour le sang. Il est temps d'abattre ce chien. Ce ne sera pas long. On exploite l'avantage. Quoi ? Attends un peu. Tu vas souffrir. Tu peux pas. Il faut libérer les autres. Ensuite, tu pourras faire sortir tes hommes. Moi, je m'occuperai de Wasif. Sortir ? Ne dis pas de bêtises. Ça ne fait que commencer. Nous allons réduire cet endroit en cendres. C'est le gardien-chef qui a la clé de nos cellules. Méfie-toi, il est plus dangereux qu'il en a l'air. Ici, alhamdulillah. Goûte à la mort. Tu n'es mais qu'un chien qui mord. La clé des cellules. Maintenant, libérez les autres. On a entendu des bruits étranges. On n'entend que ça, des bruits étranges.
Dieu, Satan! On ne ment pas! Arrête ça! Ça, c'est mon tour! Non! Pas bon! Dieu en a assez de toi! Pitoyable! Personne ne peut me battre! Ça ne passera pas, imbécile! À notre gratitude. Ali va nous mener à la vengeance. Pour Béchi. Tes hommes sont libres. Je dois à présent trouver Wassif. Il y a un fanal au-dessus d'ici. Une fois allumé, il donnera l'alerte à toute la garnison. Les gardes viendront à nous. Et je trouverai le moyen d'entrer dans ces quartiers lorsqu'il sera seul. Très bien. Je vais allumer le fanal. Tâche de ne pas oublier notre accord. Je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes encerclés! Silence! Apporte ça en bas, vite! Ali le Zindik et ses rebelles ont attaqué la garnison. Demande des renforts! Ferme la lettre! Quand la porte sera brisée, trouve le moyen de la porter au calife. Sur ta vie, jure-le! Oui, Sayyidi! Calme et silencieux, même pris au piège. Al-Mardi Juar.
N'est-ce pas ironique? Provient-elle alors d'un aigle tombé du ciel? Un symbole de liberté. Un mot que tu n'as pas souvent employé. Et que tu ne prononceras jamais plus. Oh. Alors c'est donc ça, la liberté. Pourtant, je ne vois aucune issue. Il va falloir se battre pour sortir. Notre révolution commence ici, avec moi. Ça ne me dit rien de bon. Tu vas souffrir. Tout... Je demande... Là-bas. Voilà qui est un bon début. Pourquoi se battent-ils? Leur seigneur de guerre est mort. Attends! C'est terminé! Allons-nous-en d'ici! Suivez mes pas! Sur moi! C'est ce que tu appelles la liberté? Sortir d'une garnison les armes à la main? Je vais te faire pourquoi? Un combat loyal, oh, non, je préfère juste un loyal assassinat! J'espère que tu as mieux formé tes hommes que Wasif n'a entraîné les siens. Ouvre un peu les yeux. Le combat est déjà presque terminé. Sur le côté, vite! D'accord. Sale chien. Merci. J'aurais besoin d'aide ici. On a réussi. Mais de justice. Merci. Loin de là. C'était inéluctable. Qu'est-ce que... Une seconde. Oh, regarde. Quoi? Je trouverais... Hey, combat comme un damnation. Oui. Allez, wow. Bien, non. Je vais te démembrer. Je te tiens. Tu es à moi. Ce sont les derniers. Alors repartons par où nous sommes arrivés. Oh non, mon ami. Nous allons sortir par la grande porte. C'est un bon jour. Je te retrouverai au bureau.
Votre combat commence! Ce sera la liberté ou la mort! Dieu est grand! Il n'est autre Dieu que Dieu! Dieu est grand! Il n'est autre Dieu que Dieu! Dieu est grand! Il n'est autre Dieu que Dieu! Il faut que j'aille retrouver Foulad au bureau. Quand on parle du chat, on en voit la queue. Et le voici parmi nous. Pas de geste brusque, ami des félins. Si tu ne veux pas que ce chat vienne t'étriper. Tu as tenu parole. Wasif est mort. Et tous ceux qui l'apprennent, l'apprennent de ma bouche. Dommage que nous n'ayons pas pu sauver Béchi. Son courage me plaisait. On compte déjà son histoire dans tout Bagdad. Mort, il libérera plus de gens qu'il ne l'a fait de son vivant. La liberté a un prix. La question est de savoir si on est prêt à le payer. Béchi l'a accompli avec fierté. J'ai beaucoup à faire. J'aimerais vous souhaiter à tous deux la paix, mais je sais qu'elle est absente de votre avenir et du mien. Je crains qu'Ali n'ait raison. Plus rien n'arrêtera sa révolte à présent. Peut-être est-ce mieux ainsi, oui. Ce qu'il propose est... À la garnison, nous avons vu Wasif se disputer avec le gouverneur, Mohammed ibn Tahir. Mohammed, c'est étrange. Je vais garder un œil sur lui. Araka Lahikan. Du calme, Bassim. Je suis là. Bassim, ta Mahal. Je ne peux plus les faire attendre. Le savent-ils seulement, tes compagnons, que leur chasseur devient une proie dans son sommeil ? Si encore j'arrivais à le contenir dans mes cauchemars. Mais il m'a suivi quand j'ai quitté Anbar. Et maintenant, il est là quand je tue ce que je traque. Ceux du palais, avec les masques. 4 sont morts de mes mains. Le dernier, la tête du serpent, va bientôt les rejoindre. Pourquoi lui trancher la gorge, au lieu de lui délier la langue ? Quoi ? Mais pourquoi je... Le djinn ne venait que dans ton sommeil. Ce n'est qu'après avoir mis la main dans ce coffre qu'il t'a harcelé le jour. Les porteurs de masques tenaient à son contenu. Cet objet ancien qui s'est éveillé à ton contact. Ils ont peut-être plus de réponses vivants que morts. Je chasse mes ennemis. Je ne prends pas le thé avec eux. J'ai prêté serment, Nihal. Comment peut-on être chasseur lorsqu'on est soi-même chassé ? Si tu arpentais les ombres, l'esprit libre, tu servirais mieux la lumière. Ma lame épargne la chair de l'innocent, pas celle des membres de l'Ordre des Anciens. Si tu ne souhaites pas questionner tes ennemis, demande à tes amis ce que contenait le coffre. Et pourquoi ils voulaient l'avoir ? Mes compagnons m'attendent au bureau de Harbiya. Éclaircis ton esprit, Bassim. Concentre-toi sur la tâche qui t'attend. Tu as pris ton temps. As-tu attendu, maître ? Je n'attends personne. Tu as l'air fatigué. Une petite aventure me remettra d'aplomb. Quelles sont les nouvelles ? Ali pense que le moment est venu d'attaquer le palais. Les Ouyoun sont distraits, et la population partagée. Comment ça, partagée ?
Certains affirment que le nouveau calife a volé le trône à Abu Abdallah, fils d'Al-Mutawakkil. Que sais-tu de lui ? Peu de choses. Il était au palais la nuit où son père... La nuit où j'ai plongé la main dans ce coffre. Maître, en savons-nous plus sur l'objet qu'il contenait ? Pourquoi demandes-tu ? Je trouve dommage que l'on en sache aussi peu sur une chose que l'ordre convoitait autant. Ne devrions-nous pas chercher à mieux connaître nos ennemis, pour mieux les vaincre ? Mahaban Basim, je vous ai interrompu. Loin de là, nous allions aborder notre prochaine tâche. Bien sûr, Abu Abdallah. Rebecca m'a dit que tu avais rencontré sa mère, Kabiha. En effet. Je pense qu'elle pourrait être à la tête de nos ennemis. Elle, ou Harib la poétesse, ou Mohammed le gouverneur. Tous les trois avaient des liens avec nos adversaires. Mohammed ibn Tahir. Ses cousins dirigent la contrée où se trouve Alamut. Leur protection est notre seul bouclier contre nos ennemis. J'ai coupé les jambes de l'ennemi, maître. Laisse-moi frapper tant que saignent ses moignons. Je le démasquerai et découvrirai ses intentions. Basim a raison. Nous devons agir vite. Va dans la ville ronde, Basim. Enquête sur les trois, mais sans agir. Ensuite, viens me rendre compte au sommet de la maison du sceau privé. Tu devrais trouver à t'occuper sans venir me déranger. Regarde le tableau et tu feras d'une pierre deux coups. Foulad, mon chasseur d'informations et maître des questions. Que puis-je pour toi, Basim ? Parle-moi d'Harib. Ces mots semblaient relever du dogme pour les membres de l'ordre. C'est à son talent qu'Harib, artiste poétesse renommée, doit sa liberté. Selon Tabid, elle habite une luxueuse maison de la ville ronde. Une autre question ? Que sais-tu sur Kabiha ? Elle avait des liens avec le trésorier. Née esclave, Kabiha est devenue la concubine préférée d'Al-Mutawakkil au harem. Mais son fils n'étant pas devenu calife, son avenir est incertain. Une autre question ? Parle-moi du gouverneur. Je l'ai vu donner des ordres à Wasif al-Turki. Mohammed fait partie des Tahirides, de très puissants vice-rois du calife en Perse. Il dirige tout Bagdad depuis son siège au tribunal. Une autre question ? Nos suspects, où vais-je les trouver ? Tous les trois habitent dans la glorieuse ville ronde, le centre du pouvoir du califat abbasside. Une autre question ? Shukran Foulad. Une poétesse, un dirigeant et une concubine. Je saurai bientôt qui porte le masque.
Offre-nous une meilleure vue, mon ami. صرح الفرغاني في كتاب جوامع قرأت أحدث تعديلات ابن علي لكتاب السند هند يا للذكاء ذلك المدعو سند شخص ذكي سنقدمه إلينا في درس الأسبوع المقبل هل جن جنونهم؟ ربما لا ينبغي الاقتراب Espérons qu'elle soit chez elle. Tu ne m'éloigneras pas de mes invités. C'est ma maison. Financée par ma générosité. Financée par mon génie. Pour les gages, faveurs et autres dédicaces, tu trouveras Saïda Harib dans le jardin après le récital. Adieu. Tu veux être son mécène. C'est un honneur, Sayyidi. Si je peux me permettre, je sollicite une audience auprès de la poétesse. Vraiment? J'ai été ému au plus profond de mon être par ces... mots. Sa symétrie du ciel et de la mer... Je veux seulement lui témoigner ma plus sincère admiration. De jolies paroles. Presque autant que les siennes. Et tout aussi fausses. Nous savons tous les deux quel masque elle porte, non? Un masque, Sayyidi? Assez de Sayyidi! Je sais qui tu es et pourquoi tu es là. Tu crois que je ne t'ai pas vu, là, à rôder dans l'ombre. Elle ne prendra plus part à vos intrigues. Vos rendez-vous secrets, vos surnoms stupides. Je l'en ai éloigné et pour toujours. Devant sa porte, une garde a été postée. Mes hommes surveillent ses récitals et j'ai déchiré ou renvoyé chacune de tes lettres. Renvoyé, tu dis? Va donc les chercher au bureau du courrier. Brûle-les, enterre-les, fais-en bien ce que tu voudras. Même t'étouffer avec. Surnom stupide, rendez-vous secret. Le mécène a dû me prendre pour un membre de l'Ordre des Anciens. Le tas de lettres au bureau du courrier m'en dira peut-être plus. Parfait. Voyons quel masque tu portes, poétesse. Je vais faire comme les Ouyun. Fouiller les lettres d'inconnus à la recherche de complots. Il doit y avoir du courrier de tous les coins du califat. Reste à trouver celui d'Arib. Quoi ? Ah !
Allez! Sache que ta dette de 15 dinars est échue et qu'il convient instamment de... Non, pas ça. Abu Abdallah est le calife légitime de sang et de droit, et il réclamera son trône. Je vais laisser ça aux espions. Une fois que le miel a coulé de ses lèvres, Athalab quitte le jardin et suit la souris. Correspondance secrète de l'ordre, mauvaise poésie, ou un peu des deux. Harib serait-elle Athalab? Le mécène a parlé d'un récital dans les jardins. Je pourrais peut-être donner cette lettre à Harib et voir où me mène la renarde. Très cher Harib, ta poésie m'a touché au cœur. Tu es mon oasis, luxuriante, aux fruits gorgés de... Je vais aller dans les jardins, remettre sa lettre à Athalab, et voir où elle se rend. Rage de l'océan. J'appelle. Brûlure du désert. Que tu sois océan, désert, cobra, colombe, chaque forme et humeur, j'étreindrai. Bonjour. Nous nous connaissons? Approche, ne sois pas timide. Je mords rarement et je ne laisse jamais de marque. Apparemment, nul n'échappe au regard du public. Comment es-tu tombé sur cette lettre? Qui t'a chargé de ça? J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. J'ai rencontré ceux qui servent la lumière. Il semble que son éclat les aveugle. Tes maîtres sont-ils si obtus et maladroits? Je t'avais prévenu, fils de chien! Viens, Harib! Ne donnons pas aux langues l'occasion de jaser. Si seulement ta langue cessait de s'agiter lorsque j'implore le silence. Tu oses repousser le conseil de celui qui t'a élevé et sans qui tu ne serais rien? Je me suis élevé seul. J'ai écrit seul. Et seul, je suis entré dans l'histoire. Je te chasse de mes pages. Va et disparais! Comment pourrais-je te laisser à des loups tels que lui? Tu es une femme, seule et désarmée. Les mots sont pour moi des armes suffisantes. Alors voyons quelle défense il t'apporte. Saisis cela! La Sayyida est attendue quelque part. Tu la retardes. Apparemment, les mots font apparaître des boucliers. Nous allons devoir faire ça vite. Donne-moi la force!
Tout le plaisir a été pour nous. Tu vas souffrir. Harib est parti à son rendez-vous secret. Je dois me dépêcher. La lettre ordonnait à Tharlab de quitter le jardin et de suivre la souris. Peut-être n'ai-je pas encore perdu Harib. Que vois-tu, mon ami ? Le hors-la-loi, celui qu'on recherche. Garde, par ici. Hé, regardez, c'est lui. Garde, il est là. Jusqu'où va s'enfuir le renard, mystère. Tu devrais le traîner devant les Mazalim. Mais il ne pense qu'à ma réputation, Sarah. Pour assurer le succès, je dois être aimable, discrète. Il craint que j'aie trop d'orgueil. Oh, toi ? Jamais. J'écris que l'amour est sauvage et libre, au-delà de la bienséance. Ne dois-je pas pratiquer ce que j'écris ? La perfection est dans la pratique, mais elle attire des ennemis. Je te l'accorde, mais laisse-moi les choisir. Courtisan, calife, mécène, amant, tant d'hommes ont voulu choisir mes ennemis et mes amis. Mais Allah sait qu'il m'est arrivé de mal choisir. Il s'est bien caché. Et une poétesse a besoin de mécène, même quand elle est Al-Talab. Eh bien, j'ai fait mon choix. Parfait. Alors des temps agités nous attendent. Cela ira. J'ai survécu à 6 califes. Je survivrai... À 6 autres. Ne t'en fais pas, Sarah. J'embrasse les bagues qu'il faut embrasser. Mais je ne me laisserai plus posséder. Par qui que ce soit. Rendez-vous secret. Nom de code. Aucune trace de l'ordre ici. Et pourtant, elle ne manque pas de mécènes. Peut-être que le chef de l'ordre n'est pas Harib en personne, mais un admirateur. Les gardes vont se montrer vigilants. Thank you.